dark side. I wanna be your left hand man. J'aime du cosmos dans la chambre. C'était un croissant, mais il est genre gratiné. T'as-tu pris suisse toi aussi? Denis aussi a pris la même chose que moi. Il y a des petites patates, des petits fruits. Tout le monde, je nous souhaite un bon 5 ans de mariage à moi et Anthony. Ça fait 5 ans qu'on est mariés aujourd'hui, déjà. Fait qu'il y a 5 ans, on concevait Jayden. Fait que Anthony a été nous chercher du cosmos pour déjeuner. On est à l'hôtel Plaza, fait que c'est sur le boulevard Laurier, là. Donc c'était vraiment un coup. C'était à 2 minutes de tout. Fait que j'ai pas le café qui venait avec le déjeuner. C'était vraiment bon. Je peux tout manger, là. J'ai pris le croissant gratiné, jambon suisse. Les patates sont bonnes. Il y avait des fruits aussi. J'ai pas tout fait des croissants. C'était vraiment gros. Fait que c'est ça. Je vais boire mon café. Le check-out est à 11h. Mais écoutez, combien de temps ça va prendre de sortir de l'hôtel? On n'a pas d'enfant. Ça va littéralement prendre 5 minutes au lieu de 2 heures de préparation. J'ai décidé de mettre ma robe blanche et je suis dure. Que j'ai acheté à la penderie. Oh, elle a l'air de rien. Attendez. Oui! Comme ça. Fait qu'elle est super lousse. Elle est tellement confortable. Elle arrive là. Je vais mettre mes petites natives. Non, je vais mettre ça parce qu'on va au spa. Fait que je vais déjà être en sandales. Je l'aime tellement pour vrai. Que ça a l'air. Tout ça. Et là, Anthony écoute des vidéos dans son cell. Là. Facebook. Comme sur mon plein de chum ici. Je vais mettre du petit shampoing sec. Dans le parking, on s'en va au Sky Spa. C'est la première fois qu'on va aller à lui de Québec. Fait que j'ai vraiment hâte. On va relaxer pour notre 5e anniversaire de mariage. On est sorti du spa, c'était vraiment le fun. On a vraiment aimé le Sky Spa de Québec. Et, dans le fond, si tu réserves, c'est par bloc de 4 heures pour pas qu'il y ait beaucoup de personnes en même temps. Fait que c'était vraiment le fun. On dirait qu'on avait le spa à dos toute seule. Il y avait d'autres mondes, mais très peu de monde. Fait que c'est vraiment le fun comme ça. Ça permet vraiment, ça respecte les mesures et tout ça. C'est la première fois qu'on y allait, puis c'est différent du Sky Spa du 10-30. Là, il y a comme une section, tu sais, il y a une section silence, puis il y a une section que tu peux chuchoter. Mais les deux, c'est la même affaire, mais en double, d'un côté puis de l'autre. C'est comme deux petits espaces, tandis que le 10-30, c'est plus comme un gros espace. J'ai aimé ça, comme que c'était deux espaces, c'était le fun. Puis la nourriture. Deux vues différentes. Ouais, deux vues différentes. Parce que c'est chaque côté. Le sauna vapeur, ça, t'adore ça. Il sentait bon. Il sentait eucalyptus, mais avec une petite touche genre de citron, je sais pas quoi. Ouais, agrume. Ça sentait vraiment bon. Puis, on a pu relaxer. On a mangé au bistrot. On a mangé au bistrot. Qui a été. Là, si vous avez déjà été au Sky Spa, dans le fond, parce qu'en ce moment, ils sont comme en changement, là. Le bistrot, il est comme de l'autre bord qu'avant. Puis, ils sont en train de faire un gros restaurant. Ouvert au public, là, genre pour le spa. Puis. Ça s'appelait Bulle. Ouais. Et c'est ça. Ça a l'air pas intéressant, puis ça a été abordable, puis c'était très beau, là. On a vu des photos. Fait que c'est ça. C'est très intéressant. C'est sûr que quand on va revenir, on va vouloir essayer. Mais on a pris les deux, le plateau végétarien, mais avec un extra. Gravlax, puis. Ben, c'était un extra mer, un extra terre. Ouais.
Parce que le plateau est végétarien en fond, c'est des. Plateau végé. Puis c'était vraiment beau, genre toutes les. En fond, le mer, c'était du gravlax de saumon. Ouais. Puis le terre, c'était. Oh, on s'en va dans le. Et Anthony disait que le terre, c'était. Macreuse de bœuf. Oh, ouais, c'est ça. Pataki de macreuse de bœuf. C'était très très bon. Toutes les saveurs, genre, c'était bon. Les artichauts. Puis après, on a eu des olives aussi, là, qui allaient dedans, mais on peut trouver les œufs juste après. C'était très bon. Mais je pense que c'est à côté. Mais c'est très délicieux. Je vous conseille si vous y allez. Puis tu sais, si vous êtes végé, justement, le plateau végé, tu peux même prendre un mais extra aussi, légume. Ouais, c'est ça. Fait que. Le terre mer, il y a des légumes. Ouais. Fait que c'est très délicieux. Je suis vraiment contente qu'on ait pris ça. Et là, dans le fond, il est rendu 3h57. Puis là, on a calculé que si on part là, on va être pogné dans le trafic à Montréal. Puis probablement qu'il y a du trafic. Ben, il y a du trafic ici aussi, là. Fait qu'on va essayer d'écouler une heure pour qu'au moins on ne soit pas pogné dans le trafic à Montréal. Pas trop dur. Non. C'est que, dans le fond, on voulait aller au Krispy Kreme pour ramener des beignes à la maison. Ils sont tellement bons et frais. Fait que on va aller là. Je veux du Starbucks. Puis on va aller aux galeries de la capitale. Mais dans le fond, c'est que c'est tout collé. Puis on voulait acheter un petit quelque chose de plus pour les gars. Puis Anthony veut juste checker un petit magasin. Fait qu'on va comme avoir écoulé. C'est quoi qui avait dit ça? Je m'en encore. Sur le top. On est revenu à la maison, il est 10h26. On a acheté des beignes au Krispy Kreme. Il y en a là-dedans. Puis là-dedans. Parce que j'ai peur que s'il y a des fourmis, ça aille là-dedans. Moi, je l'ai donné à mon père. Et regardez qu'est-ce qu'on a acheté au gars. Mais premièrement, au H&M, on avait acheté ça. Je l'avais pas montré hier. J'avais oublié. Des petites culottes de Marvel. J'ai pris les 2-4 ans. Parce que j'en avais acheté des culottes là au Old Navy qui écrivait, qui équivaut à 4-6. Ça fait plus à Jason qu'à Maverick. Fait que ils vont être tellement contents. Là. Voilà. Et la surprise qu'on a achetée, ça fait vraiment. Ben, depuis le début de l'été, Maverick surtout, mais les deux gars, quand ils voient des enfants se promener avec des trottinettes devant, ils capotent, puis ils veulent des trottinettes. Puis j'avais deux cartes cadeaux de 50$ au Toys R Us que ma mère avait donné à Noël. Alors voilà, maman, on a acheté deux trottinettes pour les gars. Puis Anthony, ben il travaille demain, hein. Fait qu'il est déjà en train d'installer. 10h27 après avoir fait quoi? 5 heures de route? Non, pas 5 heures. Mais... Ok, mais non. Pas 5 heures, mais 3h30 de route. En tout cas, il est en train d'installer les trottinettes Spider-Man. Il y avait des Buzz. Buzz, Peppa Pig. C'est sûr, non? Mais on s'est dit, pas de chicane, on va être sûr. On prend deux Spider-Man. Fait que c'est ça. Puis, ça va être tout installé. On va tout mettre la peinture. Mais c'est pas grave, ça va être dedans. Mm-hmm. On a opté pour ceux qui ont trois roues, là, parce qu'il y en avait que c'était juste deux roues. Mais ça disait 5 ans et plus. Puis, tu sais, ça là, c'est comme, tu sais, de quoi, 3 ans et plus, genre. Ça? Je sais plus. Mais, tu sais, on s'est dit avec ça, ils vont pouvoir aller vite. Puis, c'est comme plus de leur âge, là. Alors, c'est ça. On y est avec ça. Ils vont être vraiment contents demain. Je vous dis bonne nuit. Anthony, il travaille demain. J'ai plus mes allergies. Je sais pas pourquoi. Que demain, je vais être toute seule à la maison. Puis le soir, on a la fête de mon grand-père. Son 75e anniversaire. Donc, ils font ça à la Légion canadienne. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est comme un surprise pour mon grand-père. Puis ils ont le droit à une salle, dans le fond, je sais pas comment dire, pour les anciens combattants, ces choses-là. Puis ils ont le droit d'avoir 50 personnes.
pour un événement. Fait que c'est ça. Mais il y a beaucoup de friction. Mais ma mère nous a pris des billets pour nous, toute notre famille. Fait qu'on va là demain. Mais c'est plus tard une surprise parce qu'il m'a dit qu'il le savait. Là, mes cheveux en toque de cheveux mouillés de spa. Fait que je m'en vais me laver. Puis, je vais me laver les cheveux. Ouais, je vais me laver les cheveux. Et là, j'arrêtais pas de regarder sur Instagram le Daily Story Clothing. Demain, il y a la vente à 9h. Puis là, je suis toute seule. Fait que j'espère être capable avec les enfants de me connecter à 9h pour commander ce que je veux. Parce que Anthony, il voulait m'offrir quelque chose pour notre anniversaire de mariage. Puis j'avais vraiment pas d'idée. Puis hier, j'ai pensé à ça. Fait que je vais me commander des petits trucs. On va voir si je vais réussir. J'ai vu l'ensemble chandail, short que je veux dans le bleu. L'ensemble chandail, pantalon dans le sauge. Et le chandail tie-dye blanc et beige que j'aimerais. On va voir si je suis capable d'avoir mes choses. J'espère que oui. Plus c'est mon cadeau. Fait que sur ce. Ah oui, aussi j'ai eu une nouvelle de mon travail. Attendez, je vais vous installer. J'ai eu un courriel en fond de ma gestionnaire qui est envoyé à tout le monde. Toute l'équipe là. Je peux vous en parler, dans le fond. Vous savez, nous, nos horaires sont... On a deux équipes. Dans le fond, il y a un dentiste, puis l'autre dentiste... Deux dentistes, dans le fond. Puis ils travaillent pas les mêmes jours. Ils ont commencé ça avec le COVID pour comme... Que s'il arrive quelque chose avec une équipe, mettons que quelqu'un a le COVID, ben... Les autres, on travaille pas, puis on n'est pas contaminé tout le monde. Comme ça, la clinique, elle roule toujours. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis, ils ont décidé, là, si vous entendez le système d'alarme, c'est normal. Il faut aller acheter le système d'alarme. Là, on sait que c'est ça. On se rappelle le pompier qui est venu avant qu'on parte à Québec. On a trois. Mais il m'a dit que ça marchait pareil, hein, même si ça fait de ça. Ouais, mais, je sais, c'est gossant. Mais dès qu'on va aller au Costco. On va en acheter. Parce que nous, c'est 24 heures sur 24. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, les dentistes ont décidé qu'ils gardaient le même horaire jusqu'à décembre. Donc, jusqu'à décembre, je vais travailler le lundi, 7h30 à 4h30-5. Ben, c'est 5 heures. Hein. C'est vraiment 5 tous les jours que j'ai fini. Là. Les lundis et les jeudis, je vais faire 7h30 à 5. Et, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai demandé si c'était possible que je fasse aussi le mardi, 7h30 à midi. Elle va me revenir avec ça. Mais jusqu'à. Sûrement, là, je suppose. Mais c'est ça. En tout cas, il faut qu'elle me le confirme. Jusqu'à décembre, on va rester avec des horaires COVID. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, moi, ça me convient. Puis, de toute façon, même si, mettons, non, je peux le mardi. C'est pas juste, dans le fond, je pense que ça va être avec l'autre dentiste. Fait que je sais pas si on peut ou. Tu sais, je sais pas. Fait que, dans le fond, moi, ça me convient. Là, jusqu'à ce temps-là, je ferais vraiment moins d'heures. Là. Ben, vraiment moins d'heures. Je ferais moins d'heures. J'avais pas prévu de. Ouais, Anthony dit, lui, il a fait plus. J'avais pas prévu de faire 40 heures, c'est sûr. Mais plus. Tu sais. Plus que. 16 heures chemin. Plus, c'est comme 24 heures à peu près. Fait que si je fais mardi matin, ça va être parfait. Mais je vais voir. C'est à confirmer. Ce qu'on sait, c'est que d'ici décembre, je fais lundi et jeudi. Fait que c'est fou comment le coronavirus a un impact sur toute notre vie. Hein? Comme Anthony qui est en plein et qui essaye d'être en plein. Anthony, oups! Fait qu'en tout cas, lui, il travaille à temps plein. Puis moi, je vais travailler obligé. Puis moi, je vais travailler deux jours. Jusqu'à décembre. C'est beaucoup, décembre. Mais c'est ça. Comme je dis, c'est en plus, ça me convient. Là. Jaden, il commence l'école en octobre. Donc, pouvoir se débrouiller, bien se débrouiller avec ça. Là.
En tout cas, c'est ça. Bonne nuit.